mon petit vlog en ce... Et on est quel jour? On est jeudi. On est jeudi. On est jeudi. Ok. Donc, petit vlog de l'incompréhension en ce jeudi matin. En gros, aujourd'hui, on doit partir à Phuket. On doit prendre le bateau, comme je te l'ai dit hier soir, il me semble. Attends, je te mets le cadre de la mer quand même, parce que c'est assez ouf. Et en fait, on comprend rien. En gros, on a réservé sur Booking. Et on a... Enfin, c'est mis en gros qu'il y a un pick-up time à 1h de l'après-midi. Sauf que c'est un peu incompréhensible de savoir où c'est. Il faut qu'on échange notre billet à la gare Lanta, à la gare Sonia Lanta. Sauf qu'on ne trouve pas du tout sur Maps d'informations sur ça en fait. On va sûrement y aller en taxi ou quelque chose comme ça, mais enfin bref, c'est un peu incompréhensible. Du coup, on a envoyé un SMS. Attends, je vais enlever ma casquette. On a envoyé un SMS à un numéro qui était écrit sur la fiche pour savoir où était vraiment le lieu de rendez-vous. Et là, le mec nous répond que notre pick-up time est à 11h50, alors qu'à la base c'était à 13h. Donc, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et il nous dit you can wait at lobby. Donc, soit le lobby c'est un endroit et on comprend pas où c'est, donc j'ai renvoyé un SMS, soit on attend en gros à notre hôtel, mais bon bref, on va voir comment on se démerde. J'attends sa deuxième réponse, mais c'est un peu la merde. Heureusement qu'on a un beau cadre, parce qu'il faudrait pas qu'on loupe notre bateau, ce serait quand même dommage. Bon, au pire on pourrait toujours en prendre notre avion est que demain, donc ça va, mais bon, un peu relou quoi. Les tailles sont adorables, mais pour les transports, c'est pas très clair. C'est pas la première fois qu'on a un peu des galères. Bon, on va voir. On a réussi à arriver à Phuket malgré des histoires un peu compliquées de ce matin. Enfin, le gars nous a envoyé des messages pas trop clairs, mais en gros on a compris qu'on devait prendre à 11h50, enfin qu'on venait nous chercher à 11h50 pas très loin de notre hôtel. Il suffisait tout simplement qu'on aille juste au bout du chemin là où on dormait, et on nous a récupéré là-bas en petit pick-up taxi, ce qu'on veut. Et après il nous a emmené tout au nord de l'île
pour prendre un speedboat. Et c'était trop rigolo le speedboat. Parce que ça bougeait dans tous les sens. En plus, Solène et moi, on était assis par terre. On était assis par terre, mais c'était trop rigolo. Ça a duré à peu près 1h30. Après, on est arrivé. Puis Maëva a été se faire tatouer le petit éléphant que tu verras. Ou que tu as vu. Ça dépend comment je fais mon montage. On improvisera. Voilà. Chez un tatoueur qui était ultra rigolo. Enfin, c'était trop top. Et après, nous sommes revenus dans notre nouveau bungalow. On a été voir un petit coucher de soleil. Enfin, on a essayé de pas le rater. Mais le soleil ici se couche trop vite. Genre, c'est assez impressionnant. Et au final, on a mangé dans un petit, dans un petit bord de rue et tout. C'était trop cool. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas si je fais un autre vlog demain parce que ce sera probablement pas très intéressant vu qu'on repart demain, on prend deux avions différents, etc. On verra, soit j'intégrerai quelques images à ce vlog là, soit j'en ferai un autre demain. Mais on verra. Tu veux faire un vlog par jour ? Oui. Sur ce, je te fais plein de gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort. T'as bugué ! Oui, j'ai bugué, mais c'est pas grave.